بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي، أبنائي بناتي، أعزائي عزيزاتي، أصدقائي صديقاتي، أعدائي عدواتي، mes frères et sœurs, mes fils, mes filles, mes amis, mes ennemis du plus profond de mon cœur, je vous dis, je vous aime en Allah et je me déploie pour essayer d'apprendre de vous et de vous apprendre accessoirement et de cheminer avec vous vers Allah subhanahu wa ta'ala, dont l'amour, la fraternité, l'affection islamique, le respect, la joie et la bonne humeur. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. N'oubliez pas, les musulmans, de partager ce rappel. N'oubliez pas de le partager. Vous allez gagner des hasanat. Vous exprimerez votre amour pour Allah et son prophète et la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et vous allez aider des musulmans et des non-musulmans. Mes frères et sœurs, encore pas musulmans, mes frères et sœurs de l'humanité, vous avez d'excellentes qualités, que vous avez rodées, vous avez bien affiné la courbe d'expérience de quelques valeurs, grâce à votre histoire, grâce à vos expériences. Il vous manque juste un peu de sincérité, un peu de bonne volonté, et surtout, récupérez vos cœurs, vos cerveaux, vos âmes, de ceux qui veulent que vous soyez un chiffre, vous soyez une consommation, que vous servez que à la consommation. Donc, divorcez avec eux, remettez-vous en cause, et vous allez trouver Allah, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. On entre directement dans le vif du sujet, toujours dans la série les miracles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous prétendez, vous dites, on vous a dit, on vous a inculqué, on vous a inoculé la chose suivante. Mahomet a inventé le Coran. Je rappelle qu'il est né en 570, qu'à 40 ans, il a prétendu, d'après vous, selon vous, qu'il était prophète. Il a grandi dans un endroit qui n'avait rien à voir avec la civilisation. C'était des gens qui enterraient des filles vivantes, qui s'entretuaient, qui lançaient des guerres pour tout et n'importe quoi, qui vivaient dans le crédit usuaire, qui pouvaient faire des choses vraiment gravissimes. La seule chose qu'ils savaient faire, c'était la poésie, un peu de poésie arabe, ni plus ni moins. Donc lui, il a grandi dans ces conditions-là, et à 40 ans, il a prétendu, selon vous, encore une fois, qu'il était prophète. Je vais juste vous donner une de ses paroles. Les actions, ça c'est une parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc rappelez-vous, donc il a inventé finalement, je vous apprends quelque chose, je vous aide encore. Vous prétendez qu'il a inventé le Coran. Bah, continuons, non, il a inventé deux choses. Parce qu'il a, il y a les musulmans connaissent le Coran, le Coran, ils connaissent aussi la Sunna, les hadiths, les paroles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc les hadiths, c'est les paroles. La sunna, ça peut être autre chose. Ça englobe les paroles. Donc les hadiths, ce sont ses paroles. D'accord? Donc là, ce sont ses paroles à lui. D'accord? Qui ne sont pas des paroles coraniques. Donc les musulmans dissocient deux choses. Ils dissocient la première invention, qui est le Coran, qui est sorti de sa bouche à lui, et la deuxième invention, qui est les hadiths, les paroles du prophète. Très bien. On va dire maintenant un hadith. Donc ça ne ressemble pas du tout au Coran. Il faut aussi m'expliquer comment il a fait. Les hadiths ne ressemblent pas du tout à tous les niveaux au Coran. D'accord? Le Coran, c'est supérieur, c'est pas comparable avec les hadiths. Donc, bismillah. Il dit, les actions ne valent que par les intentions. Et chacun n'a pour lui que ce qu'il a eu réellement l'intention de faire. Celui qui émigre pour Dieu et son messager, son émigration lui sera comptée comme étant pour Dieu et son messager. Et celui qui émigre pour acquérir des biens
de ce bas monde ou pour épouser une femme, son immigration ne lui sera comptée que pour ce vers quoi il a immigré. Donc les actions ne valent que par les intentions. Et chacun n'a pour lui que ce qu'il a eu réellement l'intention de faire. Vous avez déjà entendu ça avant l'avènement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous pouvez me trouver sur la terre quelqu'un de n'importe quelle civilisation, s'il vous plaît? Sortez-moi n'importe quelle civilisation. Les bouddhistes sont avant, sont antérieurs à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aristote, Platon, Socrate sont avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les constructeurs de pyramides sont 3000 ans avant l'avènement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. S'il vous plaît, sortez-moi des annales de l'humanité une parole qui ressemble à celle-là. Hier, je me suis amusé à taper sur Google le 7e siècle, le 6e siècle et le 7e siècle. Le 6e siècle, donc la France n'existait même pas. Pas grand chose. Le monde était bizarre. Ou pas grand chose. Différent de ce qu'on a aujourd'hui. Et le 7e siècle, quand allez voir ça, tapez 7e siècle sur Google, vous allez voir que la majorité, que la plus grande partie de la page est réservée à l'avènement de l'islam. Je vous pose une question. Connaissez-vous quelqu'un, un grand écrivain, un grand auteur, qui a marqué le 7e siècle? La France n'existait même pas à l'époque. Donc dites-moi, l'Europe, la Terre, l'Occident, toutes ces terres-là, s'il vous plaît, dites-moi, est-ce que vous avez quelqu'un qui a pu dire quelque chose qui ressemble à ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui vous a marqué du 7e siècle? Dites-moi, qui vous a marqué? Donc là, on prend votre contexte actuel, avec vos années-lumière, vos siècles-lumière, mashallah, la puissance mondiale, la quatrième puissance mondiale, la France d'aujourd'hui, la France de la littérature, la France de l'art, la France des poètes, la France des prix Nobel. Je vous pose la question. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a déjà sorti une parole comme celle-là? Les actes, les actions ne valent que par les intentions. Et chacun a pour lui que ce qu'il a eu réellement l'intention de faire. Donc le musulman, si vous ne le savez pas, il est tout le temps en train de vérifier. C'est pour quelle raison j'ai fait telle chose. J'ai souri à un tel, j'ai souri à un tel. J'ai fait un acte de bien pour un tel. Est-ce que je l'ai fait parce que j'attends un autre bien de lui? Ou est-ce que je le fais pour Allah? Moi, je fais le rappel. Est-ce que je fais le rappel pour que les gens disent qu'il est brillant? Pour que les gens me jettent des fleurs? Pour que les gens... me disent que voilà, je maîtrise, hein, pour faire tomber des femmes, pour gagner de l'argent, pour être une star ou une starlette. C'est quoi la raison? Donc ça, cette parole-là, imaginez, c'est une parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui n'est pas coranique, attention. Le Coran est une chose. Le style du Coran est autre. Il n'a rien à voir avec la parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est à un niveau très élevé, mais qui est incomparable au Coran. Donc juste cette parole d'un homme qui a existé au 7e siècle, imaginez. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'univers au 7e siècle? Quelle était la trace d'un minimum d'intelligence au 7e siècle? Il y a eu la civilisation grecque, oui. Il y a eu des bonnes choses, il y a eu des choses intéressantes. Mais beaucoup de choses étaient mauvaises de chez mauvaises. On pourra en parler si vous voulez. Mais dites-moi, est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a sorti ce type de parole? Donc il continue pour nous expliquer un peu ce qu'il dit. Celui qui émigre pour Dieu et son messager, son immigration lui sera comptée comme étant pour Dieu et son messager. Vous savez qu'il y a un acte fondateur dans l'histoire musulmane qui est l'immigration. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui a vraiment comme intention d'émigrer pour Allah, pour son prophète, pour la religion d'Allah, il sera rétribué pour ça. Donc ça va être compté comme une immigration pour Allah et son messager. Et celui qui émigre pour acquérir des biens, de ce bas monde, ou pour épouser une femme, son immigration ne lui sera comptée que pour ce vers quoi il a immigré. Est-ce que tu peux montrer aux humains quelque chose alors que l'intention est autre? Dites-moi comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait pour sortir ce type de parole au 7e siècle, il y a 1400 ans. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.